quelle heure? 18h pile. 18h pile, donc on est parti. On va direction Gênes, sur les bords de Loire. On va aller squatter là-bas avec pas mal de gens, attention, je conduis. Donc les Vadrouilleurs Forever, j'ai cru comprendre qu'il y avait Alexis, il y a Fun Family WD. Et puis demain, il y aura encore plus de monde, il y aura Jock et Jacques, je crois. Et on sera à Grésillé. Voilà. Grésillé, donc ça devrait être sympa. Et puis vous avez dû voir ça dans l'introduction de la vidéo. Voilà, vous avez dû tout voir en fait. Donc bonne vidéo. Allez, à plus tard. Je sais pas si on va voir grand chose, hein, parce que là il est 7h30 du matin. Du coup, on se retrouve, on est à la Ménitrée à Port-Saint-Maur, au bord de Loire. C'est magnifique. Voilà. Et en fait, ce midi, j'ai eu un message avec des Vadrouilleurs Forever qui disaient qu'ils venaient dans le coin de Gênes. On aperçoit le bus qui est là. Il y a aussi la Fun Family WD qui est là-bas. Ah, et il y a Alexis et son camping-car américain. Voilà, on est dans un endroit assez peinard. Il y a des jeux pour les gosses, pour les enfants. C'est assez tranquille sur les bords de Loire avec un magnifique châtel en face. Et voilà. Avec un vieux bonhomme. Alors, vos impressions? Bien dormi? Ouais. Comme un bébé, toujours pareil. Ouais. Nous, on s'est un peu caillé. Ça va, toi, Loïc? Je peux te filmer ou pas? Le chauffage en 3 heures. Ah moi, j'ai pas réussi à le démarrer. Là, tout à l'heure, il faut que je vérifie tout ça. Parce que... Comme d'habitude, on est les premiers à être levés. Hein. Depuis 6 heures. 6 heures, 7 heures. Il dorment toujours? Oui, il s'est bien dormi. Il s'est transformé. Petit extrait, si on le voit. Hier, je t'ai entendu, tu étais sur le toit du bus. Allez, on va s'éclater et tout. Et on fait tourner les serviettes. Non, tu misais pas mal de. C'est lui qu'on voit dans les vidéos sur internet. Et c'est lui aussi qu'on voit. C'est eux qu'on voit sur internet. Ouais, je mettrai les liens en bas. Hein, en bas. De vos chaînes, les gars. Ouais, pas de problème. Allez. On entend bien avec la GoPro. Tu sais. Ouais. C'est cool, ça. Bah sauf quand il y a du vent. Tu sais mis où les liens? Ouais. Là, hop. Regardez comme c'est beau la Loire. Ah, il y a quand même pas mal de bancs de sable. Sable de Loire. Là, on fait du 4x4. Super. C'est le pont de Gênes, pas celui d'Italie, heureusement. Ah ouais, pas mal. Enfin, c'est pas drôle. Hein. Non. Enfin, en tout cas, c'est très joli. C'est magnifique. Et il y a une île, du coup, au milieu. Ah parce oui, j'ai vu le nom tout à l'heure, mais... Il y a deux ponts suspendus. C'est super. Ouais, ça ressemble à Toiré, quoi, en fait. C'est vrai. On dort à Toiré. Toiré. Voilà. On a dormi comment ça s'appelle? Sur la Duvat, voilà, à côté. Non, en face de ça, c'est à Saint-Julien de Concelles. L'église de Gênes. Mais je filme pas. Ah, si, je filme. Donc, il va y avoir 10 familles qui vont avoir 10 fois la même image sur YouTube. Ouais. Dans le week-end, la traversée du pont de Gênes. Voilà. Hop là, attention. Ah non, on n'était pas à Toiré sur Loire, on était sur les Rosiers sur Loire. Ah, qu'est-ce que je suis heureux dans mon camping-car. Voilà, là, on est à Gênes. Voilà. Est-ce qu'on va être les seuls à trouver cette blague, le pont de Gênes? Enfin, est-ce que tu vas être la seule? C'est pas vraiment une blague, hein. C'est enfin, plutôt, ouais, non, c'est une blague de mauvais goût, mais... L'humour noir. Couture Saint-Georges, je ne sais plus par où il faut passer. Et à toi, regardez.
Ouais. Eh ben c'est bien. Sérieux ? Viens. Coucou les moutons. Coucou les moutons. Alors ça va Justine ? Ah oh, très bien moi. Ouais, vous avez fait bonne route, impeccable. Il a pris le magique, hein, c'est ça ? Ouais. Mavic Platinum. Le Mavic Platinum. Le Platinum, il a pris. J'en sais pareil. Selon ce sont les Indiens qui te l'ont donné. Oh, Chicago, ton blues est plus chaud. Il neige sur Chicago. Des flocons de jazz se répandent et puis fondent sur le manteau des dames. Les odeurs d'un vieux blues au fond du checkerboard viennent du... Donc voilà, hop, visite du bus. Il y a un bus qui vient d'arriver. Il est énorme. Il est énorme, c'est le bus de ce monsieur. Oh pardon. On va rentrer à l'intérieur. Ah non, là en plus vous prenez des photos. Vous voyez là. Ouais. Non, c'est interview. 35 mètres carrés. Ah ouais, avec le slide. Oh, c'est génial. Hein. Ouais, donc 2 ans, alors 2 ans pour. Je peux vous filmer, il n'y a pas de problème. Pour l'instant 2 ans, c'est pas fini. Et c'est pas fini. C'est pas que je suis là, mais. Ah bon. Hop, le moi qui croyais bien inconnu, frigo, oh, congélateur, le four, tout, la petite cuisine Ikea qui va bien. Ah ben ça, c'est pas Ikea, mais ouais, enfin bon, c'est ça. Mais j'appelle tout Ikea. Toi. Non, c'est hop, c'est Brico Dépôt. Ah, c'est Brico Dépôt, ouais, c'est pareil. Hop, la petite salle de bain qui va bien, les toilettes sèches, super. Tout le système électrique, génial. Ça, c'est la chambre de la petite Bate et la chambre de monsieur et madame. Génial. Il y a un groupe électrogène ? Non, pas encore. Pas encore. L'énergie, on n'est pas encore c'est prévu, ça. On va être au solaire, on va déjà essayer au solaire avec d'autres convertisseurs que celui-là, c'est improvisoire. Ça sera suffisant pour les machines et les... C'est calculé pour. C'est calculé ouais. Pour. Normalement, oui. Il y a, là, j'ai 1400 et quelques ampères de batterie. 1400. Ouais. Donc voilà, ça devrait y arriver. Ouais, après, énergétiquement parlant, c'est pas fini. Il faut qu'on finisse, il n'y a pas encore les panneaux solaires. Il faut recharger, donc d'où les 2400 watts de panneaux pour ça recharger. Sinon, ça ne changera jamais. Alors, je sais pas, il y en a qui nous ont dit qu'on était cinglés d'avoir mis tout électrique parce qu'on n'a pas de gaz, on a l'induction. Il y en a qui nous ont dit que ça ne marchera jamais. Bon, L'induction, après, si on voit que c'est galère, on le dégagera. On le dégagera. Voilà, il y a toujours une gazinière. Oui, mais on voulait pas de gaz au départ. Je voulais pas de gaz pour contrôler. Pas envie de ah, ouais. Un groupe diesel et puis voilà. Un petit groupe diesel, oui. Tu t'arrêtes parce que c'est automobile. J'ai déjà le chauffage en diesel, donc il suffit dans le réservoir d'aller repomper dedans. Ah oui. Là, il y a l'état des réservoirs, tout, pof, le petit tableau de commande. Pof, le chauffage. C'est ce que j'ai fait dans le fourgon et j'en le fuel. Ça, c'est. Voilà, quoi. Voilà. Monstrueux, génial. J'ai attendu pour m'abonner, je suis 3 000e. Il y a 3 400 quelque chose là en ce moment. Ah ouais, ok. C'est des je suis un chiffon. Puis je suis à 13 km d'ici. Ah ouais, t'es du coup en plus toi. Ah, c'est la belle alors. Que quand on était à Rennes, ça nous faisait 2 heures de route. Que là, bah. 10 minutes, 15 minutes de route là, c'est tout. Ah, moi j'ai 600 km là. Hein. Les Belges. Non, ce soir, mais je suis en voiture. Ah ouais, ok. Ouais. Wow. Allez. 1, 2, 3. Hop là. C'est pas très très large, mais... Ah, puis le petit bureau, là, ici, ouais, d'accord.
Là, le petit salon, le petit bureau. Tiens, j'ai la même glacière. Le petit chauffage qui va bien. Impeccable. Alors, qu'est-ce que... Ah, tu sors la caméra. Ben ouais, hein. T'es en héros 6 ou 7 7. Ah là là, c'est ça les youtubeurs professionnels. Hein. Ah, professionnels, non. Ah ouais, le poste de pilotage, il déchire aussi. Je vais faire, hey, je vais faire de la concurrence à Loïc. Ah. Hey, bon bah moi je suis hyper fier et dans Auguste il y a Jacques. Et moi non, je suis, c'est nous qui sommes fiers. On est chez Auguste. Voilà. Ah, t'es contente aussi Clémence. Toujours contente Clémence. Et toi Jeanne, t'es contente? Oui. Voilà, on se suit de loin sur internet et aujourd'hui on se suit. On se voit un petit muscadet. Allez, allez y en a. Alors, vos impressions, Laetitia? Parfait, je me régale. Ouais, c'est bon. Trop, ouais. C'est hyper bon, mais c'est chaud. C'est hyper chaud. Tu préfères quoi? Les rillettes? Beurre d'escargot. Et... Beurre d'escargot et mojette? Ouais, et Nutella. Oh, gourmande. Elle est gourmande, la dame. Alors, Charlotte, vos impressions? Eh ben, je suis super contente. Ouais, c'est... Attends, mais il y a hyper de monde. Enfin, c'est génial, quoi. Je sais plus quoi dire. Ouais, franchement, je suis super contente. C'est une superbe expérience. Et regarde la caméra. C'est une superbe expérience. Et à votre retour, on fait la même? Eh ben, sûrement qu'on va refaire une autre rencontre. Carrément, sûrement. Mais évidemment. Ça serait trop bien. Vraiment. Super. Donc, on a trop hâte. Allez, bon appétit. Et voilà, c'est la fin de la rencontre des vadrouilleurs forever, la rencontre vad follower. J'espère que la vidéo vous a plu. Là, on a dit au revoir à tout le monde, ils sont tous là. Ils sont tous là-bas, voilà, derrière le bus de Charlotte et Jérémy. Tout le monde est là. Il y a... voilà, quoi. J'essaierai de mettre des liens. Les liens des chaînes YouTube, de tous les youtubeurs qui étaient là, enfin youtubeurs, enfin des gens qui font des vidéos sur internet. Voilà, et puis bah pour nous c'est direction le zoo de la Flèche. Prochaine vidéo, le zoo de la Flèche. Allez, à plus tard. Et voilà, nous voilà arrivés au zoo de la Flèche. Après la rencontre des VAD followers, journée très sympathique. On a rencontré plein de gens. Plein de gens fort sympathiques, tous charmants les plus les uns que les autres, comme on dit, plus charmants les uns que les autres. Plein de gens, je peux pas tous les citer, hein. Certains, c'est surtout que certains vont regarder la vidéo. Donc on vous embrasse, hein, et puis n'hésitez pas à mettre des petits pouces, hein, sur nos vidéos, on va essayer. Pouette, pouette, pouette. Clément, tu fais vroom vroom? Vroom, 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 vroom. Et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo. Et on va au zoo de la Flèche voir plein d'animaux. Ça va être bien. C'est bien, mes chéris.